Salut tout le monde, on est samedi, il est 1h24. Je voulais commencer mon vlog hier, mais il s'est passé plein de choses que j'ai oublié. Fait que c'est ça, on est samedi. Ce matin, j'étais allée courir avec mon ami Pierre-Luc. J'étais allée faire l'épicerie. On a fait du ménage. Ce midi, pour dîner, j'ai essayé les fameuses pâtes de TikTok. Puis là, ben nous, à la Saint-Valentin, mon chum était parti. Fait qu'on n'a comme rien fait de spécial. Là, je me suis fait un petit souper tout seul. Je m'étais mangé du tartare, c'était bon. Mais là, mon chum il est là, fait qu'on va comme se refaire un petit souper de Saint-Valentin quand Olivier va être couché. Fait que c'est ça. J'étais allée acheter du saumon pour nous faire une petite entrée de tartare. Puis on va manger du filet mignon pour souper. Fait que c'est ça. Puis là, ben, on est pendant la sieste, fait qu'on va se faire un petit feu dehors pendant qu'Olivier fait son dodo. Bon, fait que mon tartare est prêt. Dans le fond, dedans, j'ai mis des pommes vertes, oignons verts, ciboulette fraîche. Voyons. Ah, j'ai mis des chips Miss Vicky's au barbecue tout écrasé dedans. Avec mayo sriracha. Fait qu'on mange ça, c'est ça tantôt. Puis là, j'ai acheté une petite salsa matanaise avec des crevettes dedans. On va manger ça dehors avec des petites chips autour du feu. J'ai acheté ça à la cochonnerie, ça va être bon. Puis c'est ça, j'ai acheté ça. Puis comme dessert, j'ai acheté des petits nanaïmos. Parce que je pense qu'on va avoir pas mal mangé avec ça. Là. Puis dans le fond, avec les patates, avec les filets mignons, on va se faire des petites patates au four. Ben simple, mais ça va être bien bon. Fait que je me remets mon manteau, puis je vais aller retrouver mon chum dehors pour notre petit feu. À tantôt! Retour à l'intérieur, on a eu un petit peu de la misère à allumer notre feu, on n'avait pas de bois sec. Fait que ça n'a pas été facile. Fait que là, on va écouter peut-être un petit épisode de District 31 le temps que Olivier se réveille. Puis ben après ça, ben on va s'amuser avec lui, ça va bientôt être déjà l'heure du souper. Puis la petite routine là. Bon, il est 16h, mon chum est à la maison avec Olivier, j'avais le goût d'aller au Walmart. Tu sais, avec la COVID, on sortait plus vraiment. On faisait plus vraiment de commission, ben on en faisait quand on n'avait pas le choix, puis tu sais, souvent je faisais ça à la course un peu. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, c'est en fin de journée, mon chum il est là, je vais en profiter pour aller faire juste une petite tournée au Walmart. Fait que là, je suis au Tim Hortons, je suis passée me chercher un petit café en passant, fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté là, en arrivant à la maison. On dirait qu'à chaque fois, je suis comme, ah, oh, j'ai acheté pas tant d'affaires, ça me coûtait pas tant cher, puis je suis tout le temps comme, ah, oh, mon dieu, ça m'a déjà coûté comme 50$, 55$. Mais tu sais, j'ai quand même plusieurs choses, mais on aurait dit, j'ai comme, je pense que ça va me coûter moins cher. À ça que quand je suis sortie, j'ai regardé ma facture parce que j'avais acheté plein d'affaires comme en spécial. Bon, je suis de retour à la maison de mes petites commissions. Désolée si vous entendez plein de bruit, c'est mon chum qui écoute la coccinelle tout équipée. Fait que j'ai acheté ça pour Olivier. C'est comme des... Ben là, il est en train de colorier avec. C'est genre des dessins avec les crayons qu'il donne avec, là, ça, s'il dépasse, ça ne ça, s'attache pas. Là. C'est comme des crayons invisibles. Fait qu'il colore avec ça. J'ai trouvé des pyjamas à 3$. Des mignons, puis de Thomas le train. Ils sont comme en doudou, là. Fait que le petit haut et le petit bas. J'ai acheté une bouteille d'eau comme ça. Mais j'ai plus pensé à y mettre des smoothies dedans parce que là, présentement, ce qu'il boit, la peau, il se rend pas au fond. Fait que souvent, il dit qu'il ne vit qu'il en veut d'autres, mais il en reste encore. Fait que je vais essayer ça. La peau, il est grosse. Je pense que ça va bien marcher. Ça, c'est ma belle-sœur qui m'a influencée. Un petit chandail comme ça. Il est comme rayé. Là, c'est un chandail comme en... un chandail mou. Là. J'ai ça, un petit verre comme ça avec une taille pour Olivier. Pour mon chum, il sait pas. Mais il est tellement sourd qu'il m'entend pas de toute manière. Puis... c'est tout. C'est tout. Puis ça m'a coûté quand même 50 quelques pièces. Ça me trouve ça cher. Surtout que les pyjamas à 3 pièces. Mais je regardais avec ça, il n'y avait pas d'erreur. Fait que c'est ça, mes petites commissions. Ah, puis j'ai arrêté de me chercher. Maman!
un café, pas un café glacé, un macchiato glacé. Je vais aller vous montrer les petits dessins à lui. Montre-moi ton dessin. Oh, wow, c'est beau. Est-ce que tu mets un petit peu de rouge dessus? Non. Non, c'est quoi ta couleur préférée? Bleu. Bleu. Tu tournes. Ça fait des plus beaux dessins quand tu colores l'autre côté. Tu tournes. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau? C'est bleu. C'est pas bleu, c'est jaune, le bouchon, tu t'es trompé. Est-ce que tu fais des dessins? Wow, beau dessin! Oh, on lave maintenant pour en faire d'autres? Oh, que t'es bon! Encore du savon pour laver tes cheveux? Donne la main, donne! Mets les mains ici! Tiens, frotte les cheveux. Vas-y. Frotte les cheveux. Encore. Tiens, est-ce que tu laves tes cheveux? Lave les cheveux. Oh, que t'es bon. Bravo. Tu laves tes cheveux. Oups. Encore. Quoi? Bon matin, on est dimanche matin, il est 5h30, Silou s'est réveillé à 3h45 et il ne s'est jamais rendormi. Okay, c'est clair que ce matin on va aller faire un petit tour de tour pour qu'il fasse un petit dodo, genre de 30 minutes, pour qu'il se rende au dîner, ben au dodo de l'après-midi parce que sinon ça va être l'enfer. Je sais pas si c'est un mauvais rêve ou quoi que ce soit. Mais Philippe avait oublié de repartir sa grosse cloque. Fait que dans le fond, une fois que le temps s'est écoulé, elle s'est comme éteindue. Là. Fait qu'elle faisait noir dans sa chambre. Fait que probablement c'est ça qu'il avait peur, là, qu'il s'est réveillé. J'ai attendu un petit bout, mais là, à un moment donné, il fallait bien que j'aille le chercher. Fait que j'ai essayé de coucher avec nous, mais ça n'a jamais fonctionné. Fait qu'on est assis ici. On écoute les petits bonhommes. Puis lui mange des céréales avec un petit verre de lait. Petit bouillé de légumes. Donc j'ai mis choux, carottes, oignons verts, navets. Puis c'est ça, du porc comme ça ici, salé. Là. Fait que ça va cuire toute la journée. Fait que là, je me sers de ça pour me faire un gratin de légumes et saumon. Fait que j'ai mis un saumon dans le fond, des choux-fleurs puis des brocolis sur le dessus. Je vais mettre ça au micro-ondes. Fait que ça va cuire le saumon puis ça va comme... voyons comment on dit ça. Pas blanchir, là, mais en tout cas, ça va cuire un petit peu les... à la vapeur, là, le brocoli puis les choux-fleurs pour que ça soit plus tendre quand je vais le mettre au four. Et voilà. Fait que j'ai ajouté mon saumon là-dedans, des courgettes râpées, des oignons verts. Puis, je vais prendre, j'ai mélangé la crème avec un petit peu de mayonnaise, sel, poivre, puis des herbes salées. Je vais comme mettre ça dedans, puis je vais rajouter du fromage dessus. Tu me laisses avec des petits minous. Tu vas?
que tu comptes, Olivier? Compte. Go! Bon, fait que il est 11h, on a passé une partie, on a passé environ une heure et quart dehors. Avant ça, on est allé faire un tour en auto, puis après ça, on a joué un petit peu avec de la pâte à modeler. C'est ça, fait que là, dans le fond, Philippe est encore avec Olivier dehors, ils sont sur le bord de rentrer. Je vais comme juste comme couper des légumes, des crudités, puis on va manger des hot dogs pour dîner. J'avais vraiment aucune idée quoi faire, fait que ça va être une bonne petite solution. Après le dîner, nous, on va aller faire du ski de fond, moi et Philippe, avec son papa. Fait que c'est chaud. Dans le fond, mon frère va venir garder pendant ce temps-là. Ça va être pendant la sieste à Olivier. Fait que juste pour vous faire un petit topo. Puis, ça, il fait vraiment beau. Il fait pas chaud, mais là, ça se réchauffe. Là, ce matin, il faisait vraiment plus froid que ça. Là. Fait que je pense qu'on va être super bien en ski de fond l'après-midi. Fait que je commence à avoir hâte. Wow, c'est beau! Un gâteau! Bon, fait qu'il est 12h50, on est arrivé au ski de fond. On attend juste le père à Philippe pour pouvoir partir. Fait qu'il fait vraiment beau, il fait pas trop froid, on va être vraiment bien, je pense. Je sais pas quelle piste qu'on va faire, mais je pense que ça va être bien le fun! Fait que de retour à la maison, Olivier, je vais aller le réveiller. J'ai les cheveux mouillés, j'ai eu chaud à la tête. On est allé chercher un petit breuvage chaud. Moi, j'ai pris un chocolat chaud blanc. Philou, il a pris une vanille française.